Salut à tous, c'est Zeron, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour 10 choses à savoir sur les villageois. Je remercie bien sûr Jean-Marie Duvalet pour avoir proposé ce top 10. Sur ce, on est parti. Les villageois apparaissent naturellement dans des villages à l'intérieur de différents bâtiments. Les villageois peuvent se reproduire mais ont besoin de portes pour engendrer des bébés villageois. Après exactement 20 minutes, le bébé villageois devient un adulte. Il est possible de transformer des zombies villageois en villageois en leur jetant une potion de faiblesse volatile, puis en leur donnant une pomme dorée. Après un petit moment, environ 5 minutes, le zombie villageois se transformera. Durant le processus, le zombie villageois peut toujours brûler au soleil. Les villageois ne donnent aucun butin à leur mort. Les villageois ont un inventaire composé de 8 emplacements. Les villageois ne cherchent pas intentionnellement des objets à ramasser, mais collectent le pain, les carottes, les patates, le blé ou les graines qui sont à leur portée, ainsi que les betteraves et les graines de betteraves en 1.9. Si un joueur et un villageois sont dans la zone de ramassage d'un objet au même moment, le joueur ramassera toujours l'objet en premier. Notez que si la règle mob griefing est désactivée, les villageois ne ramasseront pas les objets. Les villageois à la robe marron, adultes ou bébés, s'occupent de culture à l'intérieur même du village. Les villageois assez loin, en dehors des limites du village, s'occuperont aussi des cultures proches s'il y en a. Le villageois recherche des terres agricoles à entretenir dans un rayon de 15 blocs autour de lui. Quand la foudre frappe à 3 ou 4 blocs d'un villageois, celui-ci se transforme en sorcière. Les zombies repèrent les villageois dans un rayon de 42 blocs, même les villageois invisibles. En espérant comme d'habitude que ce quatrième épisode vous aura satisfait, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire stipulant le prochain épisode. Sur ce, je vous dis bye tout le monde, c'était Zeron, tchuss.